Je suis dressé à l'ordre. Peut-être je devrais m'enfuir. Sur scène, une histoire vraie, celle d'Alpha Kaba, un journaliste de Guinée-Conakry. Il fuit son pays pour des raisons politiques. Son odyssée sans retour le conduit en Algérie, puis en Libye. De nous diviser dans différentes enclos. Pendant 3 ans, il va vivre en esclave des milices libyennes. J'aimerais m'enfuir, escalader la balustrade et partir en courant. Le récit de ce miraculé a d'abord été un livre. Julien Gauthier a souhaité lui donner corps. Il a survécu dans le camp d'esclaves grâce à son statut de journaliste. Parce que ça l'a permis de se dissocier un petit peu de l'épreuve qu'il vivait pour survivre tout simplement, avoir la force chaque jour de vivre et d'avoir envie de vivre. Donc raconter son histoire est la motivation qui l'a fait survivre. Et moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Donc je me sentais très touché par ça, je me suis dit, c'est la continuité. Et le spectacle porte cette essence-là. Notre embarcation a fait naufrage, à quelques kilomètres des côtes. Nous aurions pu mourir sans l'Aquarius. Près de l'Italie, Alpha Kaba est secouru par SOS Méditerranée. 4 ans plus tard, il habite à Bordeaux. Mais pour la naissance de la pièce, il a fait le voyage jusqu'à Montpellier. Ici, il découvre une partie de sa vie incarnée. Aujourd'hui en Libye, les forces rebelles continuent le lynchage. Je me sens vraiment encore pas libre quand je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en Libye, qui sont encore esclaves. Qu'avec eux, avec la pièce de théâtre, ils rentrent dans la directe ligne de m'aider à faire ce combat, à faire comprendre à tout ce monde, à toutes ces autorités, que ce qu'on a subi et ce que d'autres personnes continuent à subir encore. Alpha Kaba, ému par ce théâtre vérité, ému aussi par cette première rencontre avec son double sur scène. Mais juste, est-ce qu'on se ressemble du coup si je me mets On se ressemble ou pas là? Vous êtes humain, donc vous ressemblez. J'ai beaucoup plus de cheveux que lui. Deux beaux gosses. Lui, là, il a...